Autre chose, à la tête d'une forte délégation, la vice-gouverneure du Lualaba en mission dans le royaume de Belgique, Fifi Masuka Saini, est allée prendre des contacts importants pour l'acquisition des équipements et autres matériels utilitaires de la nouvelle aérogare de Kolwezi. L'autorité provinciale était dans les installations de la société Somati où elle a récolté des informations pouvant lui permettre de concrétiser complètement ce projet voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Toujours préoccupé par l'idée d'offrir à sa population les conditions de vie dignes, surtout changer l'image de la province du Cobalt, comme le recommande le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la gouverneure du Lualaba, conduit une forte délégation au Royaume de Belgique. À l'initiative de l'autorité suprême du pays, la délégation Masuka, constituée entre autres de Bienvenue Lyotin Njoli, président du conseil d'administration de la RVA, Achille Mouteteke Loualé, ministre provincial de Finances, Célestin Machata Kayembe, ministre provincial des Infrastructures, Jules Kabouit, commissaire du gouvernement provincial en charge du travail et de la directrice de cabinet du ministre provincial de Transport, est allé prendre un contact important avec Somati Véhicule, une société spécialisée dans le montage et la livraison des camions anti-incendie et utilitaires. Aussitôt arrivé à Bruxelles, dans la matinée de ce jeudi 20 octobre 2022, la gouverneure du Lualaba et sa suite ont été conduites à 35 km de la capitale belge, dans la commune d'Alost, quartier d'Arambodegen, où se trouvent les installations de Somati. Tout a commencé par une séance d'échange dans la salle de réunion avec projection vidéo sur la qualité des engins sous les explications de Jens Chanfeller, directeur chargé de l'exploitation. Marie-Thérèse Masuka Saini et sa suite ont été amenées juste après dans l'atelier de montage des camions de secours, dans le magasin des pièces de rechange, la salle de montage des véhicules de police et d'anti-émeute. La visite s'est clôturée par le parking, le bâtiment des extincteurs et le département d'après-vente. La gouverneure du Lualaba veut s'imprégner des modalités d'acquisition des camions anti-incendie pour la nouvelle aérogare moderne de Kolwezi, dont l'inauguration est prévue incessamment. Nous sommes ici. Les travaux de l'aéroport sont en train d'avancer. Nous savons aussi la crise mondiale que nous connaissons tous. Avec la guerre en Ukraine, les livraisons traînent, donc il était impérieux de venir sur place pour pouvoir demander tout ce que nous avons besoin. Ici, nous avons commencé avec des véhicules anti-incendie, savoir si nous pouvons les avoir à temps, si nous devons passer la commande maintenant. Mais avant tout, il faut savoir où vous achetez, qu'est-ce que vous achetez et être sûr de la société sur place. Elle veut aussi procurer sa province des camions anti-émeutes et des ambulances. Dans la société qui est en train de fabriquer les véhicules anti-incendie, les véhicules utilitaires, les véhicules de la police, tout ça c'est important pour notre nouvelle province qui est en train de se construire aujourd'hui. Donc nous construisons à long terme et nous construisons pour ce qui est beaucoup plus utile. Pas seulement pour l'aéroport mais pour toute la province. C'est dans la soirée que s'est clôturée l'activité intense du jour pour la femme qui incarne la vision politique du président Tshisekedi au Lualaba.